avec le substrat de coco. Voilà, et un exemple de laitue pour permettre un peu à tout le monde de pouvoir produire à domicile, produire en plein champ. Voilà, c'est un peu ça aussi la culture hors sol. Et ce qui est bien avec la culture hors sol, c'est la maîtrise parfaite de toutes les composantes pour la production en fait. Parmi les produits que nous avons eu à développer pour nous-mêmes, je vais dire par nous-mêmes, on peut citer Line-Up, par exemple, qui est un système de gestion de file d'attente qui permet à des gens de pouvoir prendre un numéro de file d'attente à distance via son smartphone. Voilà, donc vous pouvez rester chez vous à la maison, vous consultez le trafic dans une certaine banque, vous pouvez prendre le numéro suivant, vous programmez même votre heure de passage et un numéro vous est attribué. Vous arrivez en banque et vous passez juste. Vous avez maximum 10 minutes d'attente. Donc ça, c'est pour apporter une solution au problème de congestion dans les différentes structures, comme on le voit actuellement. Entre autres, il y a aussi Clé Santé. Hein. Clé Santé qui est une plateforme web que nous avons développée pour un client aussi et qui permet de mettre en relation des spécialistes de la santé avec des patients. J'ai vu des stands avec beaucoup d'innovations dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'high-tech, dans le domaine des services. Et ça ne fait que confirmer ce que 2IE a déjà entrepris depuis plusieurs années déjà, c'est-à-dire soutenir l'innovation. Il y a vraiment donc, un engouement donc, de la jeunesse à aller donc, vers le secteur donc, de la recherche. Certes, ce ne sont pas toujours donc, des gens donc, académiquement, c'est-à-dire donc, n'ont pas de diplôme. Mais le fait même donc, de vouloir donc, s'engager dans le secteur de la recherche, c'est déjà donc, un potentiel. Agrandissons donc, le secteur donc, de la recherche et on verra donc, on pourra vraiment donc, atteindre donc, l'objectif de c'est-à-dire donc, faire sortir donc du Burkina Faso, vraiment le prochain hashtag. C'est la dimension panafricaine, si on peut dire. C'est qu'aujourd'hui, ça concerne l'Afrique. Et que c'est comme si c'est l'Afrique qui parlait d'une seule voix sur l'innovation et sur l'encouragement des jeunes à l'innovation, à la recherche scientifique. Et ça, c'est peut-être la plus-value que j'ai pu voir aujourd'hui ici.